Salut à tous et bienvenue sur Game Onitron oh Play <laughs> Pardon, euh, merci, merci ça, commence, ça commence très bien. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, évidemment, sur GameOnitron.fr pour votre nouvelle émission de jeux vidéo et de culture geek. Que vous retrouvez évidemment sur notre site que vous pouvez commenter sur Facebook, sur Twitter. Euh, notre émission, je vous rappelle, vous pouvez l'écouter directement sur le site, télécharger le podcast, nous écouter sur, sur YouTube et également nous rejoindre en direct. Ça, c'est tous les lundis de 21h à 22h sur Radio Campus. Clermont-Ferrand, voilà, il y a un site de Radio Campus Clermont-Ferrand sur lequel vous pouvez écouter euh, les, les lives hein, de, toutes, euh, de toutes les émissions, les directs, euh, où les voulez, hein, partout en France, euh, voilà, c'est la magie du streaming. Ce soir, les enfants, on a deux jeux vidéo à vous parler, à vous tester, à vous communiquer, voilà, le premier c'est évidemment Overwatch, euh, le nouveau jeu de, de Blizzard qui est sorti euh, la semaine dernière, euh, c'est euh, le spécialiste euh, des jeux Overwatch. Eu pourquoi peur. je dis ça c'est le premier Le spécialiste des jeux PC de merde <laughs> Sachant que c'est un jeu multiplateforme mais ça nous y reviendrons tout à l'heure. <laughs> le, dé, le débat est lancé avec Pierre Marie, notre chroniqueur régisseur webmaster. Salut à toi Salut bonsoir Ça va la forme Ça va bien, pec au poil Bon, euh... <laughs> je, suis con, je suis content de, je suis de le savoir. On aura un autre jeu également à tester ce soir. Il s'agit des Tortues Ninja, des mutants à Manhattan, euh, qui est sorti également la, la semaine dernière. Et euh, je vous le dis tout de suite, même à toi, mon petit Stéphane euh, qui nous écoute, restez bien avec nous, sur en deuxième partie d'émission, de, euh, puisque nous, ce ne sera pas un test en trompe l'œil, ça sera un vrai test très très nuancé par rapport à ce que j'ai pu lire, puisque on qualifie euh, littéralement le jeu de pourritissime. Euh, je le dis, c'est absolument pas le cas. Et on va vous dire pourquoi tout à l'heure. Et euh, bref, on voilà on comprend pas vraiment ce qui c'est ce peut se dire sur ce jeu mais on en parlera tout à l'heure ce euh, sera toujours avec Pierre Marie Puisqu'il y a un autre mec sur le plateau qui son veut son sort... en... il est venu juste pour bouffer au resto tout à l'heure il va juste dire ouais la musique de la semaine c'est moi c'est Nico a... ouais, ouais. Salut Nico ça va ça va ouais enfin, parce bon, que j'ai mais... pas acheté les tortues ninja. Eh compte, ouais, je préfère acheter Doom déjà bon. bon. on compte sur creusard, tes creusard. questions Nico tes questions d'un œil vierge finalement tu ai rien jeu. à foutre il va se foutre ah le mais Nico ton œil est vierge <laughs> si tu le dis. Ouais, euh... ouais. 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 ouais on va dire ça. Euh, voilà les enfants, donc Overwatch et les Tortues Ninja, tout ça c'est dans la 115e émission de Game Monitor. C'est parti Et cette 115e émission de Game On Monitor commence par bah, ce qu'on pourrait appeler un des jeux les plus attendus de l'année, peut-être même euh, un oui. des jeux de l'année, je parle évidemment... Oh oui. De Overwatch de Blizzard. C'était le, le un des gros gros jeux de ce mois de mai, en tout cas avec euh, Uncharted 4. Est-ce qu'il tient ses promesses Moi, ça m'intéresse beaucoup le test de Pierre-Marie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'en regardant un peu euh, les plusieurs sites français qui ont testé le jeu, en fait, alors aucun disque que le jeu est nul, hein, bien, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des avis partout. Enfin, Plus ou moins partagé, il y a ceux qui disent que le jeu est exceptionnel, qui a rien à dire. Il y a ceux qui disent ouais, le jeu est très bon, mais voilà. Et il y a, il y a les connards qui disent euh, ouais, ouais, le jeu, ouais, 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 il est bien, mais il n'est pas bien. Enfin bref, on ne sait pas trop. Mais j'en le... ai pas vu beaucoup d'articles qui disent ça. Bah écoute, tu. tu, tu, tu euh, en, de toute façon, on va en parler de ce type de oui. merde. De... <laughs> pour l'instant, jeter le nom, mais je le dirai pour, les, pour le test de, de, de deuxième test. Ah, nos auditeurs réguliers doivent, doivent avoir deviné de quoi il s'agit. Peut-être, peut-être, peut-être. On embrasse d'ailleurs tous les auditeurs régulier que, que je remercie ouais. de euh, voilà de, de nous suivre euh, bien évidemment merci à vous trois <laughs> ouais, <c 'est> ça. <laughs> merci maman <laughs> Et parce qu'il y a Stéphane, Benjamin et ma mère. Voilà, tout est, tout est dit. Et puis euh, moi aussi, parfois, parfois j'écoute ce Il y a aussi fait. Lolo. Salut Lolo. Ah <laughs> euh, Lolo, c'est une paire de nichons <laughs> ou c'est un mec <laughs> qui s'appelle comme ça Enfin bon, tu t'envoies des coucou à qui tu veux <laughs> Marie. Et, et Mika de Lille aussi, on oublie, on oublie souvent, mais on, on le salue La tous. La place de Lille, à clermont <laughs> Oui, oh là là là, on a un auditeur qui est Place de Lille et qui, qui, qui nous écoute avec son boombox et qui fait écouter l'émission à tout le monde. Merci à toi, Mika de Lille. <laughs> Pourquoi t'as l'air complètement désespéré, Mathieu Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit T'as as, l'air tout en trompe-l'œil même. <laughs> t'as l'air en trompe-l'œil, mais vraiment, on tire rigole <laughs> Bref. Je <laughs> peux lancer la musique le temps qu'il faut. <laughs> On va laisser. Allez, Overwatch, c'est maintenant. je me suis toujours, toujours parmi Overwatch euh, le nouveau jeu de Blizzard sorti sur PC, PS4, Xbox One euh, c'est un, un jeu euh, qui était très 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 attendu euh, de la part en tout cas des, des fans de FPS multijoueurs et il y avait de quoi euh, c'est vrai que c'est déjà il faut quand même dire une chose c'est que Blizzard sort un jeu sur console ce qui est rare. Alors ils se sont donnés le mot avec Diablo. Ils ont dit tiens, il ouais, y a des joueurs aussi sur console. Là tiens, oh, on vend des <laughs> on vend des jeux sur console quand même. c'est pas des les des Allez, on va on va s'acheter une deuxième statue en or pour mettre devant notre notre entrée. <laughs> on, va, ça. on va sortir Overwatch sur PS4. Qui sait si bientôt ils vont pas sortir WoW carrément sur PS4 quoi. Bah, Tout est imaginable. Je pense que même la PS2 pouvait faire tourner WoW. <laughs> <laughs> Graphiquement oui, je... parlant, je parle. Donc euh, oui, ils, auraient, ils pourraient très bien euh, le sortir également sur console. Mais ce n'est pas le débat. Ce soir, on parle de, de Overwatch, qui est euh, un des jeux les plus, euh, les plus attendus de l'année. Est-ce que c'est un jeu de l'année aussi euh, Pierre-Marie, tu vas nous dire évidemment de quoi il retourne. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce jeu Est-ce qu'il s'y est bien Est-ce qu'on over Est-ce qu'on watch voilà. Exactement. <laughs> Alors, Overwatch <laughs> se passe dans un futur euh proche, Un futur futuriste en trompe-l'œil, <laughs> en trompe-l'œil exactement. Overwatch en fait c'est euh, imaginez euh, voilà un groupement de, de héros, euh, des héros qui ont des, qui ont des pouvoirs ou des intelligences ou, des parti, particulières exactement. <laughs> et voilà qui doivent, co qui doivent combattre euh, l'organisation du mal et tout ça, euh, dont la griffe. Euh, des, la griffe c'est grand méchant. Donc voilà il y a un petit peu de lore comme ça, de, de lore de background quoi, un petit peu d'histoire dans le jeu. Qui est, euh, qui est surtout montré via des, via des comics et des vidéos parce que il n'y a pas euh, il n'y a pas d'histoire euh, à proprement parler dans le jeu. Peut-être que ça viendra, on ne sait pas. Mais il y a pas l'histoire se fait principalement en dehors du jeu par des médias, euh, par des publications de vidéos ou aussi des fois on va avoir des personnages qui vont se rencontrer ensemble dans la même équipe et qui vont faire référence à, à, leur, à leur passé commun, ce qui est assez drôle. Mais, euh, mais voilà. Donc imaginez euh, donc toute une galerie de personnages complètement différents les, les uns des autres, mais c'est euh, vraiment du ch'tarbé. Du on, on, on va du, du robot, du, de l'espèce de moine bouddhiste robot à euh, l'ancien euh, an, robot euh, qui, qui, qui servait en fait de robot policier et qui restait pendant dix ans à la casse jusqu'à reprendre du service. Euh, ça va aussi, bon, on a un gorille qui sait parler, hein, normal. On, on parle a de toi, Nico. voilà on a on a un cul euh, de on a un cul de qui joue avec des explosifs ah, pardon, ouais. euh, voilà, on, a, on a un peu tout on a aussi des des humains mais par exemple une humaine qui est, qui est Comment dire une humaine qui n'a pas de ligne temporaire stabilisée, donc elle doit porter une tenue pour pouvoir exister dans notre présent, parce que sinon elle fait sans arrêt des bons dans le passé, dans le présent, dans le futur, et c'est très très chiant. <laughs> voilà. Et enfin, il y, y a un peu de tout, il y a une galerie de personnages euh, euh, chamarrés et différents. Tout ça pourquoi, Mathieu tout ça, pour quoi <laughs> tout ça pour un FPS euh, multijoueur par équipe. Donc effectivement, c'est un jeu qui se joue uniquement euh, uniquement par équipe principalement en multijoueur. Bon, il y a un mode entraînement, mais c'est juste, euh, juste pour tester les pouvoirs. Tu as trois robots, enfin, pas trois robots, mais tu as des robots partout qui se, qui se battent en duel. Il n'y a, a pas vraiment d'objectif et tout ça, donc c'est vraiment juste pour tester les pouvoirs. Mais après, tu as deux choix de partie, et généralement, ils te conseillent de tout faire dans l'ordre. L'entraînement Le, dont je vous parle pour tester les pouvoirs. Ensuite, une partie contre l'intelligence artificielle. Donc, tu vas être dans une équipe avec d'autres joueurs et combattre des personnages joués par l'ordinateur. Mmh. Et pour enfin, une fois que tu as s'éroder, jouer en ligne. Et du coup, c'est euh, assez intéressant alors il y a eu d'autres FPS comme ça par, par équipe c'est pas un genre qui est extrêmement représenté mais euh, il mais, enfin, y a beaucoup disons de FPS euh, classiques où euh, le but c'est juste de, de tuer tous les adversaires donc euh, voilà bah, les, les bases les premiers FPS genre Quake en multijoueur Quake euh, je pense à Quake 3 Arena oui, par sûr. exemple Quake. tout ça c'était ça les, les call of il me semble que c'est un peu comme ça aussi il y a, 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 a d'autres modes de jeu il voilà, y a d'autres euh, modes oui, de ouais. jeu j'ai j'ai pas trop joué je suis pas très connaisseurs de ces modes là hum. mais là euh, disons que overwatch se rapproche plus d'un team fortress ou euh, team fortress euh, plutôt que d'être très basé sur euh, D'être que basé finalement sur, euh, sur l'attaque. Le jeu est principalement basé sur un objectif. Donc, effectivement, il va y avoir des échauffourées. On va se retrouver face à l'équipe adverse et on va devoir essayer de les éliminer pour gagner du terrain. Mais quels mais sont mais ces objectifs les, les éliminations, en fait, ne sont pas au cœur du, de, du jeu. Hmm. Effectivement, il y a des objectifs. Alors, il y a plusieurs modes. Pas, on ne fait pas dans l'original total parce que c'est ceux qu'on peut re, déjà retrouver dans Team Fortress. Il y a les modes points de contrôle. Alors, il euh, y a une équipe en attaque et une autre en défense. Et le but de l'équipe en attaque, c'est de prendre différents points de contrôle dans, dans, la, dans la map. Donc, euh, C'est-à-dire euh, faut que des persos de votre équipe, un ou plusieurs, restent assez longtemps sur un point de contrôle sans qu'il y ait des personnages de l'équipe adverse pour euh, revendiquer ce point. Et après, il est verrouillé on passe au point de contrôle suivant. Mmh. Il y a ce même mode de jeu, sauf que les deux équipes se battent pour un seul point de contrôle, et mm -hmm. le but c'est de de le posséder, euh, c'est de posséder le point de contrôle pendant euh, pendant un temps défini euh, sans, se, sans se le faire reprendre. C'est le fameux mode King of the Hill qui existe euh, qui existe déjà depuis euh, depuis super longtemps dans les vieux dans les vieux FPS. Et enfin, il y a le mode charge utile ou, euh, ou payload ou appelez ça comme vous voulez, où le but c'est d'escorter de, en fait un convoi. Euh, sur toute euh, sur toute une map sur tout un terrain et sachant que là c'est pareil il y a l'équipe qui est en attaque qui doit escorter le convoi et l'équipe qui est en défense qui doit empêcher la progression par tous les moyens et en fait, là où c'est intéressant, donc tout, tout tourne autour de l'objectif. Et pour ce faire, vous n'allez pas avoir juste des les, les personnages qui ont, euh, qui ont des armes à feu toutes cons et qui doivent tuer les, les ennemis. Alors que les fans de Call of euh, se rassurent, il y a euh, le fameux soldat qu'on appelle le soldat de Call of, qui s'appelle soldat euh, 76, je crois. Enfin, c'est un chiffre, hein, ça, ça pourrait être soldat 51 hein, ou, ou que sais-je encore. Soldat 63, quoi. On va, tiens, on va dire que qui vient de Clermont-Ferrand. <laughs> Et voilà, donc il y, y a ce personnage qui est très basé sur sur les FPS comme ça, sachant que sachant qu'il tire, mais il a aussi quelques capacités, euh, quelques capacités en plus. Et c'est là, c'est là où Overwatch euh, se distingue, c'est qu'il y a beaucoup de capacités. Tous les héros ont des capacités différentes. Et du coup, il euh, y a quand même un casting de 21 personnages dans un jeu comme Team Fortress, on avait euh, 9 personnages. Donc Nico, ça fait quoi, ça fait combien de différence Oui, tu as raison, ça fait 3 fois plus de personnages. Exactement. Parce que 9 x 3, 21. <laughs> c'est très en trompe-l'œil trompe tout ça. Oui, c'est très en trompe-l'œil. Non, non, mais... Voilà, y a, y a... Dans, dans Team Fortress, on a 9, on a 9 classes. Et c'est des classes finalement... Euh... On, on expliquera le trompe-l'œil tout à l'heure. Ouais. C'est des classes finalement, euh, dans Team Fortress, assez... Euh... Qui, qui vont assez droit au but, c'est-à-dire, il y en a un, il est gros, il a une mitrailleuse lourde, c'est le tank. Il y en a un, il est soigneur, mais il ne fait que ça. Il y en a un, il est ingénieur, il construit des mitraillettes, des téléportages, voilà. Ça, c'est Team Fortress. Dans, euh, dans Overwatch, en fait, euh, dans Team Fortress, euh, les personnages, en fait, ça correspondait à des classes. Je viens mmh. de le dire, il y a l'ingénieur, le médic, euh, le, le heavy, du coup, qui, est, qui correspond au tank, etc. Mais c'était des classes dans Team Fortress. C'est presque un RPG euh, en fait. Euh... C est, c est, pardon, c'est ouais. presque comme dans un, un ouais, MMORPG. C'est très, euh, très inspiré des MMORPG. Mmh. J'en pas un. Jeu Et euh... en fait, Overwatch l'est encore plus parce que, au lieu d'incarner des classes, vous <laughs> allez incarner des héros, eux-mêmes répartis par classe. D'accord. Donc, euh, les héros sont présentés comme ça. Alors, on a franchement plus l'impression d'avoir affaire à un, à un roster de jeux de baston qu'à un roster de. Enfin, quand on regarde le truc, il y a tellement de personnages et surtout, ils sont tellement différents qu'on se croirait dans euh, Tatsunoko versus Capcom. C'est des trucs. Y a... Et ça a été critiqué au jeu. Moi, je trouve que c'est une force parce qu'il y a quand même une logique sur les personnages. Mais les... c'est vrai que les personnages euh, sont. Euh n'ont pas l'air de, euh, de venir du même jeu, c'est un, euh, un beau fouillis, mais quand même dans leur design, ils se, ils se ressemblent. Quoi. Je veux mm -hmm. dire, tu n'en as, as pas un qui est fait pic, en pixel art et un autre qui est fait en cell oui, en shading, oui. enfin ils ont le même niveau d'humanité, enfin il n'y en a pas un qui est photoréaliste. et qui... C'est pas du niveau de Smash Bros dans le bordel de, de différence, oui. si vous voulez. Voilà. Mm -hmm. Tu n'as pas Pac-Man et, et Solid Snake qui s'affrontent. Mm -hmm. <laughs> voilà, mais ils sont quand même cohérents. Euh... Voilà, et du coup, on a ce roster de personnages qui sont euh, triés en plusieurs catégories. Les personnages de plus basés sur l'attaque, les autres basés sur, euh, sur la défense, les autres qui sont des personnages de, de soutien, et les tanks, donc ceux qui sont là pour prendre un maximum de dommages. Mais effectivement, là tout de suite, on se dit, mais ça fait vachement penser à un RPG. Et tu as raison de le souligner. Car... <laughs> non, mais effectivement... L'idée, ça, ça va être de former une équipe... Une... Alors, va... l'équipe Le... va, dépendre, va dépendre de l'objectif à atteindre forcément. Euh, si on est en attaque, des fois, on prendra plus des, des personnages basés sur l'attaque, sachant qu'il y a 5 ou 6 personnages par équipe. La plupart du temps, c'est 6, mm -hmm. donc 6 contre 6. Ce qui fait au total combien de joueurs, Nico euh, 12. <laughs> en fait, je sais pas... <laughs> oui, c'est ça, bien joué. Je ne sais pas si c'est le temps de calculer ou si c'est le temps de se rendre compte que je, que je te sollicite d'un coup. Mais un peu des deux en fait. C est, c est ouais, je crois que c'est l'effet de surprise. Ouais. Mais moi c'est le temps de calcul. C'est <laughs> l'effet de saucisse. Euh, <laughs> du, du coup, du coup voilà, vous, a, vous allez avoir votre équipe de 6 et va falloir la composer un peu comme vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un tank, un soigneur, euh, deux de DPS et deux défense. Vous pouvez, vous pouvez très bien faire une équipe qui, avec que des soutiens, bon, ça ne va pas forcément marcher, prendre deux tanks, etc. En fait, la composition de l'équipe est libre. Il faut vraiment qui... équilibrer son, 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 son équipe, en fait. C'est bah, pres, ça... presque une obligation, non Alors, c'est ce que le jeu suggère fortement de faire. Ouais. Mais en fait, justement, ce n'est pas une obligation parce que ça va dépendre bon, des envies de chaque joueur, de ceux avec qui vous êtes. Il y en a, ils vont voir qu'il qu manque un tank, ils vont tout de suite changer de caractère pour prendre un tank à la place. Mais ça, ça va aussi beaucoup dépendre de ce que vous avez en face. Parce que du coup, y a, les personnages vont être plus ou moins bons selon la situation. Donc dans les personnages, euh, voilà, j'ai dit les dans les grandes lignes, mais il y a vraiment de tout. Il y en a qui sont bons à distance, genre euh, une espèce d'égyptienne dans une armure d'aigle qui tire des roquettes. Elle, elle a des réacteurs, donc elle peut voler, elle tire des roquettes. Alors vous, a, vous avez peut-être trouvé dans les, dans les descriptions que les personnages font souvent de cheater, mais en fait c'est ce que je me suis dit aussi avant de jouer au jeu. Tous les personnages ont tellement de, de capacités qu'ils ont l'air méga cheater, mais en fait... Blizzard a réussi un tour de force, c'est que sur les 21 et les vingt classes, il peut y avoir plein de compositions. Et finalement, il n'y a, a pas un héros qui est plus fort qu'un autre. C'est surtout le fait de jouer en équipe qui va faire que ton équipe est plus forte ou, euh, ou moins forte. Ah, c'est mais... aussi l'équilibre qu'il faut trouver dans les jeux de combat. Si oui. tu faisais référence au casting des jeux de combat, effectivement, Et c'est vrai qu'un bon jeu de combat, c'est aussi d'avoir un personnage euh, euh, faible mais rapide contre un gros élan. Enfin voilà, c'est un, un petit peu ça, c'est d'équilibrer le, le jeu, même si tu as des personnages. Qui ont l'air parfois un peu plus cheatés que d'autres. Voilà, exactement. Bah, sont censés quand... être contrés par d'autres personnages. Enfin, voilà, voilà, comme dans les jeux de combat, tu peux prendre un qui... personnage mmh. qui, a beaucoup de... qui, est, qui est balèze et mmh. qui peut spammer sans arrêt les attaques. Ce personnage, d'ailleurs, c'est Bastion. On le voit on le... au début du jeu, d'ailleurs, on l'a vu très souvent. En fait, à chaque fin de partie, il y a, il y a le moment fort de la partie. Mmh. Un joueur qui est mis en avance et qui peut être de n'importe quelle des deux équipes, qui est mis en avant et on voit généralement. Euh, à un moment du jeu où il attaque plein de, plein de joueurs où, où il, il accomplit en tout cas une action qui, qui fait avancer le schmilblick si on peut dire et c'était souvent Bastion au début le, le, c'est un robot en fait qui peut se poser et se mettre en mitraillette et après bon, il peut se déplacer il est beaucoup plus vulnérable quand il se déplace mais généralement tu fous un Bastion en défense tu le fous dans un coin et euh, il bute tout le monde uh -huh. mais du coup contre un personnage comme ça ben, tu as le choix de continuer à jouer connement avec tes, tes persos qui vont aller dans le champ et qui vont mourir ou alors, tu, tu, tu joues un peu plus subtil, tu prends le personnage qui peut renvoyer les balles sur les adversaires, euh, qui a une compétence exprès pour ça. Donc, bien sûr, il y a un temps de recharge pour toutes les compétences. Mais voilà, face à un bastion, tu mets euh, Genji, donc, qui, est, qui est ce fameux personnage qui envoie les balles. Il peut te le, te le tuer directement, le bastion. Parce que forcément, Bastion on balance plein de balles, il se les reprend dans la tête, il meurt. Mmh. Ou alors, tu peux choisir de prendre, de prendre le personnage qui a les grenades. Ou alors, de prendre celle dont je parlais tout à l'heure, qui tire des missiles à distance. Et voilà, ceux-là ont moins, ont moins à craindre. Et peuvent, du coup. Euh, ou alors, tu peux prendre la petite chinoise qui fait des murs de glace et foutre un mur de glace juste devant la mitraillette. Comme ça, bah, tu passes tranquille et, et voilà. Il y a toujours coup, des façons de, de vaincre voilà. n'importe qui. Il y a, ligne, a toujours pas. des façons. Mmh. Alors, il y a des snipers. Et pareil, il y a deux snipers dans le jeu. Dans Team Fortress 2, je compare beaucoup parce que c'est mon gros point de référence. J'y ai énormément joué. Mais dans Team Fortress 2, tu n'avais qu'un sniper. Et euh, du coup, euh, du coup voilà, le... bon, même si après, il a eu des armes différentes, mais le sniper ne faisait que sniper. Là, tu as deux snipers différents. On a une qui est, qui est française d'ailleurs, le seul personnage français. Au passage, le joueur en VF, la VF est... Les voix de la VF en tout cas sont superbes. Mais voilà, tu as un personnage donc, c'est la, la veuve noire. Alors elle s'appelle Fatal dans la VF, mais en fait c'est Widowmaker dans la VO. Elle, elle a une lunette pour tirer à distance qui se transforme en, en mitraillette si, si tu pas en mode lunette. quoi. Donc elle est bonne en, à distance, à mêler. Et tu l'autre, c'est plutôt l'archer japonais qui tire des flèches, qui peut escalader des murs, etc. Enfin, et du coup, ils sont, ils sont très différents. Et lui en fait, avec ses flèches, il va avoir la possibilité, comme de tirer plein de flèches d'un coup ou d'avoir une flèche qui lui révèle ce qui se passe dans euh, dans telle zone. Donc voilà, en deux snipers, c'est pas rare de voir des équipes avec ces deux snipers parce que euh, ils ont euh, même s'ils font finalement la même chose, euh, bah, ils le font de, de façon différente et ils apportent pas du tout la même chose au jeu. Donc c'est en fait voilà c'est pour en revenir à ce que je disais, c'est pas juste euh, on tue les ennemis, on tue les ennemis. En fait, le jeu met plus en avant le, la coopération. Et du coup, on va plus gagner de, on va, on va plus être mis en avant si on aide les ennemis à, à... si on aide pardon les alliés à... à battre les ennemis ou si on participe à la capture des points, à la charge utile. Là où c'est vrai que Team Fortress et beaucoup de FPS, c'est surtout du kikimètre, c'est-à-dire qui, qui sait... Euh... qui sait, qui est mort le moins de fois et qui a tué le plus d'ennemis. Ouais. Bah là, cette statistique est quasiment inexistante. En fait, tu as un score de de ton personnage déchire. En fait. C'est compliqué, mais ton en gros. Personnage c'est-à-dire voilà. qu'en gros, tu des. Euh... C'est symbolisé ah. par une flamme, ouais. pas la flamme du Front National. Je vous rassure, je vous rassure, mais en fait, à chaque fois que tu fais du soutien, que tu, que tu aides un ami, que tu participes au combat activement et pas, pas que tu es à l'autre bout de la map en train de rien faire, tu as un petit compteur en dessous de ton personnage qui. Euh, qui, qui augmente et voilà et au bout d'un moment l'avatar de ton personnage est en feu et du coup sur, le, sur la liste des joueurs si tu l'affiches tu vois quels joueurs sont en train de plus contribuer mmh. et à la fin de la partie tu as un système de, de recommandations, recommandation un peu comme il comme y a dans, dans certains MMO où euh, tu as le choix de, de féliciter des persos amis ou des persos euh, ou des personnages ennemis il hein. c'est des fois il y a que des alliés des fois il y a que des ennemis selon euh, qui qui a fait quoi mais du coup euh, du coup, ça te met euh, quel joueur a passé le plus de temps à déchirer au cours de la partie. Et en fait, c'est cool. Tu en as certains euh, qui apparaîtront dans, cette, dans cet écran mmh. parce qu'ils ont fait plus d'élimination, mais tu aussi euh, celui qui a le plus soigné. Par exemple, il a soigné 30% ou 50% des dommages subis par l'équipe dans toute la partie. Celui qui est resté le plus longtemps euh, sur des points de, de contrôle, etc. Celui qui est celui qui a, qui, a, qui a tué le plus de monde en un coup avec son attaque spéciale. Donc voilà, c'est... C'est-à-dire que Nico qui spamme tout le temps, il déchire pas, quoi. <laughs> bah ça dépend. Ça dépend comment il spamme. Si <laughs> S'il spamme <laughs> si spam en virant... Euh, putain, il y a, y a un truc que j'ai adoré, que, que j'ai pas vu souvent, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Ça dépend beaucoup du contexte, justement, les, les scores que tu as en fin de partie. Mais j'en ai vu un l'autre jour, c'était « Victime due à l'environnement ». Parce qu'il y a un des personnages c'est euh, euh, un black c'est un dj euh, qui, est, qui est sur des rollers en et en, en fait c'est un personnage de soutien il soigne, il soigne ses alliés et il a aussi euh, vu que c'est un dj il a un rayon qui envoie des, des ondes musicales et avec les ondes musicales tu peux pousser des ennemis et il suffit qu'il soit euh, vers une falaise et voilà tu pousses tu pousses <laughs> l'ennemi hors du voilà il y a aussi bon, un chevalier euh, Reinhardt qui est qui a un tank il a un bouclier donc il peut protéger tous ses alliés donc vous voyez c'est vraiment axé sur la coop ouais. il ça le protège lui bien sûr mais l'utilité c'est que lui protège ses alliés pendant qu'éventuellement il y a un de ses alliés qu'il soigne et un autre allié qui est derrière le bouclier et qui fait des dégâts euh, avec des attaques à distance euh, des, des fusils et tout ça et lui par contre Reinhardt ne peut pas tirer il n'a pas de il n'a pas de il n'a pas de, de quoi y a beaucoup de personnages comme ça qui n'ont pas le simple pas le simple comment dire le, la simple arme à feu quoi il y a mmh. beaucoup de, de personnages qui vont avoir ben, que que un sabre ou alors des, des, des shurikens euh, voilà, des, des ondes sonores. Enfin, c'est très, très varié. Et euh, voilà. <laughs> voilà. C'est vrai que c'est l'air complet. Mais par contre, du coup, c'est que comme tu changes de personnage parfois en fonction des, des équipes, du coup, il n'y a pas d'évolution de, de skill par personnage. C'est-à-dire que tu prends un personnage et puis à force de le, de le prendre, en fait, il monte en niveau. En fait. c'est voilà, il pas... Il n'y a, a, des... a pas système là. Il y a pas système là en fait justement ouais. et je pense que c'est c'est ce qui va faire que ce jeu va, va être très fréquent à mon avis dans l'esport. En tout cas, euh, je, je reviendrai dessus mais du, du début à la fin il est calé pour pour l'esport ça se sent mm. mais il est aussi calé pour pour se faire les petites parties sympas chez soi. Hein, vous inquiétez pas. Mais en fait c'est le c'est vraiment le skill du joueur le le fait que la façon dont chacun joue qui va qui va qui va évoluer au fur et à mesure des parties. tu n'as pas de système d'évolution. Ce qui fait que, avant chaque partie, tout le monde est sur un pied d'égalité en termes de compétences, d'armes, etc. Voilà, ouais. Là où finalement, ça pouvait être un truc un peu désagréable dans Team Fortress 2, parce que Team Fortress 2, bon, tu as tous les personnages qui étaient comme ça à la base. Mais au fur et à mesure des mises à jour de Team Fortress 2, ils ont rajouté des armes, ils ont rajouté des armes secondaires, genre, genre pour, le, pour le sniper, un bouclier qui empêche de se faire planter dans le dos, ou une, le, le jaraté, une fiole de, de piste qui, qui fait des dégâts critiques sur les ennemis. Ils ont rajouté ça au fur et à mesure, mais ce qui faisait que ça créait une différence entre les joueurs, parce que tu avais certains joueurs qui commençaient le jeu et du coup qui avaient que les armes de base, tu en as d'autres qui avaient euh, des armes euh, un peu plus un peu plus évoluées et qui pouvaient euh, s'adapter euh, ouais, à un maximum ça, ouais. de situations. Ouais. Donc Team Fortress 2 là-dessus était, était peut-être un peu moins juste que peut l'être... Euh, que peut, peut l'être, je trouve euh, voilà over Overwatch et euh, non là là voilà là tu as Certes, tu as un niveau de joueur qui augmente, qui augmente à, chaque, à chaque partie que tu fais. Ça augmente. Et forcément, si tu as fait beaucoup d'actions de, des classes, ça augmente plus vite. Et su, sur chaque joueur, à tout moment, tu vois quel est son, son niveau de joueur. Donc, tu as une idée de combien il a fait de parties et combien il a fait de, de réussites. Quelqu'un qui joue extrêmement bien du début va passer les niveaux super vite. Quelqu'un qui joue un peu moins bien va les passer plus lentement. Mais ce qui fait que le niveau donne une bonne idée de... de du vrai niveau d'un joueur, même si euh, c'est pas une science exacte non plus. Bien sûr, hein. Mais du coup, le jeu euh, qui marche, euh, qui alors ça marche principalement sur appairage, mais tu peux aussi euh, inviter des amis par leur euh, par leur ID uh, Battle.net. Mais euh, mais ça va euh, en partie rapide, ça te mettra contre des joueurs qui correspondent, euh, qui correspondent généralement à ton niveau. Donc c'est très rare qu'un jeu ne soit pas, euh, ne soit pas équilibré. Bon c'est, arrivé, ça, ça m'est arrivé de tomber sur euh, sur des parties pas équilibrées. Et puis euh, des fois, enfin, des fois il se passe du, du What the fuck, c'est-à-dire Hier, par exemple, on était une équipe, on avait quatre fois le même personnage, un sniper. un sniper ben le, le sniper qui tire à l'arc dont je parlais tout à l'heure. On était six, six Hanzo comme ça, que des Hanzo dans l'équipe, que ce personnage. Et on a, on a gagné en défense. Alors que pourtant, pourtant l'équipe en face jouait bien, mais je sais pas, euh, c'est peut-être l'effet de surprise de voir euh, six fois la classe. C'est peut-être un petit problème potentiel du jeu, c'est que des fois, on utilise en utilisant plusieurs fois le même, le même personnage, il peut limite y avoir des abus. C'est un petit peu... Il y a toujours... Euh, généralement, utiliser plusieurs fois le, le même personnage, c'est souvent plus une faiblesse qu'une force. Mais euh, si, euh, si tu as deux fois un même personnage ou trois fois un même personnage et que personne de l'équipe adverse euh, n'a d'idée de la manière dont on peut gérer euh, le combat contre ce personnage, ça peut être, euh, ça peut être vite, vite déséquilibré. Mais du coup, euh, je pense qu'il euh, y, y a de fortes chances que pour les, les matchs d'e-sport et tout ça, ils mettent des règles en plus du style euh, interdire euh, d'avoir plusieurs oui, fois sûr, ça, après, et le même personnage. C'est pour l'e-sport Oui, c'est pour l'e-sport. Et, et euh, techniquement, qu'est-ce que ça donne Overwatch Alors. Parce que ça doit être un, un jeu très attendu. Euh, Est-ce qu'il est rempli euh, d'un point de vue graphique Alors d'un point de vue graphique, moi je trouve les graphismes vraiment sublimes. Alors c'est un, un, euh, un univers, très à la, à la Pixar ou DreamWorks, c'est-à-dire c'est des, des graphismes d'animation 3D et je trouve ça euh, mais, mais d'une fluidité géniale. Les personnages sont, sont tout le temps euh, très expressifs. C'est euh, c'est vraiment chouette. Les, les univers, euh, les, les, maps ont, les maps sont généralement un peu petites parce qu'il y, y a un très gros rythme de jeu. Les maps, euh, les maps sont, sont un peu petites mais sont bien détaillées. Il y a plein, plein d'objets d'ailleurs dans les maps. Euh, juste pour déconner, en attendant que la partie commence, tu peux renverser, hein, tu peux t'amuser à, à, à tout casser, euh, à casser des bornes d'arcade, à jeter des pluches, tout ça. Mmh. Ce qu'on fait dans la vie, euh, naturellement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est très détaillé. Alors j'ai vu, vu, par contre un truc, euh, un truc, qui revenait pas mal dans, dans les tests. Il y en a beaucoup qui, cri qui critiquent le tick rate. Vous voyez ce que c'est Alors le tick rate, en fait, c'est la, la, fréquence à laquelle les informations sont échangées entre le serveur et les joueurs. Oui. Voilà, c'est-à-dire, mettons, es en train de courir dans un couloir et euh, d'un coup tu es mort parce qu'on t'a tiré dessus, mais, euh, mais euh, 3, 3 mètres avant, et le, le serveur n'avait pas mémorisé que tu avais avancé dans ce couloir. D'accord, ouais. En gros, en gros voilà, un mauvais tick rate, ça veut dire que, euh, que, tu, vas être, euh, que tu vas être tué injustement parce que tu auras bougé et tu te seras pris quand même un headshot. Et en fait, il y en a beaucoup qui critiquent le tick rate d'Overwatch par rapport à d'autres jeux où c'est ultra précis. Je crois que les Call of Duty sont réputés pour être assez précis. Non. Non enfin bah, non pas, franchement c'est mmh. c'est euh, pas hyper précis je veux dire combien de fois dans dans call of tu, tu tires à côté ça tombe en pleine tête hein. enfin non mais c'est vrai hein, non, je sais Alors, pas j'avoue je... Je, j'ai pas forcément fait les derniers machin mais mmh. Enfin, franchement à un moment donné c'était oh. ça, Call of Duty euh, C'est pas hyper précis je vais être honnête, Battlefield, Battlefield, Battlefield peut-être Beaucoup plus, ah, peut euh, plus précis ouais. Ouais, pour le coup, je, ouais. je sais que par exemple Les Counter Strike, Team Fortress et tout ça euh, Ceux-là sont réputés pour avoir un très mm. bon Tick rate Là en fait dans Overwatch on va souvent avoir l'impression Surtout en regardant les replays Parce qu'à chaque, mm. chaque fois que tu meurs On te montre le, le jeu mm. du point de vue De ton adversaire qui vient oui. de, de te mm. descendre ce qui fait que les, les jeux sont vraiment hyper dynamiques parce que tu regardes le replay et tout de suite après tu, tu repars dans la partie du, mmh. point, de, du point de contrôle. Euh, Plutôt que de voir le cadavre de ton perso, puis attendre 3, bah, 2, 1, allez, repars. Bah, après, dans beaucoup de FPS comme ça, tu as, as le point de vue des autres joueurs, donc oui, tu as ça, quand même oui, quelque oui, chose ça, à voir. Oui. Mais c'est vrai que là, là du coup, c'est vachement rythmé il euh, n'y a pas une seconde où, où tu fais rien. Et puis et puis euh, pendant, que, pendant que tu vois euh, tes derniers instants du point de vue de ton adversaire tu rumines, tu dis ce connard je l'aurais Bastion tu... je l'aurais un jour, je l'aurai Bastion tu es un robot mort, oui j'en ai beaucoup contre Bastion mais tous les <laughs> joueurs en ont beaucoup contre Bastion et contre May, la petite chinoise qui met des murs <laughs> et, euh, et qu'est-ce que je disais, oui euh, donc il y en a beaucoup qui critiquent le ticrate mais en fait j'ai lu une interview des développeurs et en fait ça s'explique par le fait que euh, ce qui compte dans le jeu, ce, ce qui est pris en compte pour savoir si tu es mort ou pas, ce c'est pas, euh, pas ton déplacement à toi, c'est surtout si euh, quand, euh, quand un joueur adverse t'a tiré dessus, euh, lui, t'a vu dans la ligne de mire. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où toi, tu vois un joueur et que tu lui tires dans la tête, pour le jeu, le joueur se sera pris, se sera pris un headshot. Ouais. À partir du moment que c'est bon pour le joueur qui a tiré, c'est pris en compte pour, pour les autres joueurs. Et finalement, moi je trouve qu'à l'usage, ça, ça fonctionne bien. Alors j'ai pas joué à la version console, mais apparemment pour, pour la version console, c'est mieux vu qu'a vu qu priori on vise moins précisément qu'avec la souris. Il y, y a un problème. Il y, y a un truc qui est dommage, pas vraiment un problème, mais il y a un truc qui est dommage par contre, c'est qu'apparemment, les jeux sont cloisonnés par plateforme. Moi qui joue sur PC, ouais. je ne pourrais pas jouer contre les joueurs P PS4. PS4. Bah c'est ou... le problème, si le jeu était sorti que sur PS4 et PC ou que sur Xbox One et PC, là je pense qu'ils auraient fait un multi ouais. commun, mais... Euh... Et encore mais encore, je suis, je suis pas, pas sûr. sûr hein. C'est vrai que comme il y en a qui jouent avec la souris, l'autre avec la manette, mm. je suis pas sûr. Il peut y avoir un déséquilibre par rapport à ça. Je suis, ouais, je suis pas sûr qu'au final, il l'aurait fait euh, concrètement. Ouais. Alors, sachant que sur PC, on peut jouer avec la manette sans aucun problème, oui, bien si, sûr. Même non, si non, je, je l'ai euh, pas fait, euh, mm. je l'ai vu. Et mm. généralement, dans les événements, ils ont fait plein d'événements de présentation de d'Overwatch parce qu'il y a une grosse hype là-dessus. Et je, je pense que je conclurai mon test par, par, par un peu ça, par un peu ce que Blizzard fait autour et compte faire euh, sur ce jeu. Mais euh, à chaque fois qu'on a vu un événement sur, sur Overwatch, c'est sur PC, mais les gens jouent à la manette parce que je pense qu'ils veulent vraiment mettre, euh, mettre en avant le fait que c'est un petit jeu euh, sympa, que tu peux jouer à la manette et tout ça euh, sans avoir à y passer mmh. euh, des heures et des heures. Bien sûr, non, mais... voilà. Moi, il y a juste un truc, avant oui. que tu conclues, je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modes de jeu. De ce que tu nous mmh. as énuméré, je trouve que c'est pas dire une faiblesse, mais euh, je trouve qu'il y a, y a, voilà, y a des, des modes de jeu qui sont classiques. Euh, je oui. pense que ce qu'on peut reprocher à Overwatch, c'est de ne pas avoir tenté de chercher quelque chose qui, vais pas dire qui sort de l'ordinaire, mais presque. Surtout d'un éditeur comme comme Blizzard. Je suis, ouais, je dis pas que le jeu est mauvais. d'être très bien calibré, de tourner à fond, enfin voilà, de, de très bien tenir les réseaux, de d'être beau en plus de ça, tout ça, d'avoir un contenu qui est intéressant en plus, mais je trouve que, enfin, de ce que tu dit, de ce que tu m'as dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de modes de jeu et il n'y a pas de mode de jeu qui, voilà, qui change. disent, ah, ça, c'est un truc d'Overwatch euh, qui peut être un peu, euh, qui peut être différent. J'ai l'impression que c'est, voilà, c'est original, mais prudent en même temps. Ben c'est l'impression que j'ai. C'est hein. super, super bien résumé. Original et prudent, c est, c est, ça pourrait être le slogan du jeu. <laughs> aussi. Mais quoique prudent, c'est peut-être un peu péjoratif. Mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a les modes de jeu que j'ai cités. Il n'y a, a pas de team dead match. Il y en a qui ont qu on critiqué ça. Mais bon, c'est la philosophie de. Ouais, team dead match, c'est juste les deux équipes qui s'affrontent oui, c'est la première qui. Ça, c'est classique. Voilà, euh, c'est super classique, quoi. classique. Mais il n'y a pas de team dead match. Moi, je pense. Je ne trouve pas que ça manque parce que justement le jeu veut, veut tout miser sur, sur l'aspect coopératif. Et en fait, euh, effectivement, il y a peu de modes de jeu et il n'y a aussi pas beaucoup de maps parce que pour les modes de jeu que j'ai cités, il y aura à chaque fois plusieurs maps. Mais euh, bon, du, alors effectivement, au niveau de ce contenu-là, je, suis, je, je, suis, je, je te rejoins totalement par par contre, bon, d'une part le jeu, le jeu sera mis à mis à jour et y aura des nouvelles maps. On ne sait pas sous quel délai tout ça, mais ça c'est sûr et ce sera gratuit. gratuit ah, Je of que que modes modes jeu, jeu, je ne parlais ouais. pas de of de cartes. Ça, je, oui, je... mais euh... s'il y a des nouvelles maps, mmh. je pense, et j'espère en tout cas, parce que sinon ce serait dommage, qu'il y aura des nouveaux modes de jeu. Mais en fait, ce qui, euh, ce qui fait que tu as, as beaucoup of de diversité en jouant à ce jeu, c'est qu'en fait, selon le personnage que tu incarnes, ton expérience de jeu est totalement différente hum. entre justement le sniper qui reste un peu dans son coin euh, ou alors euh, ben le, le nain qui va construire des mitraillettes ou alors il y en a une c'est un personnage de support elle s'appelle Simetra elle peut mettre plein de petites, euh, plein de petites euh, tourelles qui, sont, qui se construisent très vite et qui se cassent très vite aussi mais bon qui, qui font bien chier quand même les, les, les ennemis qui viennent au point de contrôle elle, d'ailleurs, son ulti, c'est de, de créer son, son ulti, son attaque ultime, quoi, c'est de créer un téléporteur. En fait, voilà, y a, les personnages sont tous très différents, se jouent très différemment. Ils sont arrivés à faire des compétences, euh, alors des compétences qui parfois sont un peu compliquées à apprendre. D'ailleurs, on a tendance, euh, je pense, à rester beaucoup sur euh, deux ou trois persos qu'on aime bien. Moi, je conseille absolument aux joueurs de varier le plus possible parce que plus on varie et plus on va aller vers des personnages qui ne nous intéressaient pas pour une façon ou d'une autre, mais qui en fait sont ultra fun à jouer et euh, qui pourtant ne payaient pas de mine, hein, des, des personnages en trompe si on peut dire. Mmh. Mais voilà c'est c'est en fait c'est ça qui fait toute la variété du jeu c'est que bah, comme comme je disais hier on s'est mis à jouer en à quatre quatre fois le même personnage quatre enfin six fois pardon je vais y arriver. six fois le même personnage six fois Anzo c'est c'était euh, super marrant et c'était complètement... Euh, bon, c'était moins marrant pour l'équipe adverse ouais. <laughs> de se faire euh, cribler de flèches. Mais du coup, ça, c est, c est, pour l'instant, j'ai l'impression que chaque partie était différente. Même si les points de contrôle étaient les mêmes, même si moi, des fois, j'ai gardé euh, sur les mêmes maps, j'ai pris tel personnage, j'ai joué un peu de la même façon, vu ce qui se passait en face, ça changeait du tout au tout. Donc voilà, finalement, il y a peu de modes de jeu, mais il y a quand même 21 héros différents. 20, euh, qui ont toutes leurs propres compétences, leurs propres forces et leurs propres faiblesses. Et c'est ça, en fait, qui fait euh, toute la richesse du jeu et qui fait que ben, euh, je sens que je vais y passer des et heures et des heures. Et c'est là où peut-être que où certains. Enfin, en tout cas, le temps nous le dira, parce que c'est peut-être ouais. difficile de le dire tout de suite, mais là où Blizzard a réussi son pari, c'est-à-dire de faire durer le jeu. Parce oui, que, de toute mais... façon, euh, Overwatch, oui. si jamais il y a une suite, euh, on en reparlera dans, dans 15 ans. Tout à fait. Un, non, mais enfin j'exagère je, peut-être un peu, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ils j'ai l'impression qu'ils veulent poser le jeu un peu comme un Counter Strike ou un Team Fortress et euh, et que le jeu dure 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 comme comme ah oui. Starcraft 2, enfin ah comme leurs autres licences. L'idée c'est de faire, je un... pense, c'est d'imposer un pas un standard, mais un, voilà oui. un, un jeu je euh, pense un que... jeu à la Blizzard, j'ai envie de dire. Pense non mais c'est vrai. Ils veulent faire d'Overwatch, ce... ils veulent qu'Overwatch soit au FPS multi, ce que euh, WoW et RPG, c'est-à-dire. Euh, ou un, StarCraft, tu dis, Ou euh... Oui, exactement, c'est-à-dire euh, euh, en, euh, en faire un mmh. gros standard. Et voilà, et juste, euh, juste pour la fin, pour conclure, y a, je disais, il n'y a pas de système. Euh, je, je critiquais un peu Team Fortress parce que mmh. dans Team Fortress, justement, euh, de façon aléatoire, tu pouvais gagner des nouveaux objets. Tu pouvais gagner des nouveaux objets euh, ouais. qui permettaient d'ajouter de, des... Alors, il y en a qui étaient que esthétiques, hein, les fameux chapeaux, euh, qui, est, qui est devenu source de moquerie, euh, à juste titre, je pense, pour, pour Team Fortress 2. <laughs> mais euh, du coup, tu avais aussi des armes, des accessoires et tout qui, qui modifiaient les capacités du héros. Là, euh, et ce qui était un peu pénible dans Team Fortress 2, c'est que quand le jeu est devenu gratuit, ces, ces éléments-là, euh, éléments bon, tu pouvais continuer à les gagner aléatoirement, mais ils les ont aussi rajoutés en DLC et en DLC aléatoire, c'est-à-dire que aléatoirement, tu pouvais avoir un truc et je crois que je crois qu'il y en a qui s'achetaient directement d'ailleurs aussi. Ouais. Mais euh, tu pouvais voilà acheter euh, acheter des trucs qui rendaient ton personnage euh, plus fort. Et dans Overwatch, ce qui est bien, je trouve, c'est que euh, effectivement, tu débloques des trucs, à chaque niveau, tu gagnes un coffre et le coffre euh, contient euh, quatre euh, quatre choses aléatoires. Ça ça peut aller de tout, ça peut aller de la devise du jeu à euh, une icône pour euh, une icône euh, un avatar en fait pour ton personnage, un tag ou les trucs euh, effectivement les plus recherchés. Un skin, un skin pour ton personnage, une pause de fin, une, euh, une animation euh, juste avant les moments forts, etc. Des choses comme ça, mais tout ça est purement cosmétique. Oui. Et du coup, Overwatch a fait des... a, effectivement propose d'acheter aussi ces coffres que tu gagnes donc, gratuitement à chacun chaque, à chaque des niveaux. Alors effectivement, c'est un peu du, du pigeonnage parce que tu déjà le jeu, euh, achètes déjà le jeu 40 euros sur PC ou 70 euros sur euh, sur PSN. Euh, je crois que c'est le, le même prix sur c'est le même prix sur Xbox quoi. Sachant que moi je l'ai pris sur PC mais à 70 euros parce que j'ai pris une édition euh, collector mais j'ai pas vu ce que je prenais. Ne me jugez pas. <rire> <rire> voilà. Et oh donc oh non non je ne suis je ne suis pas un oh, pigeon, oh, même si. Même si. j'ai t'as 3 gigas oh, oh <laughs> euh, Oui, donc les, les DLC, euh, du coup, il y a des DLC effectivement euh, payants, donc ils sont aléatoires, et en plus, dans ces trucs aléatoires, tu peux avoir des doublons avec ce que tu as déjà, donc ah ouais. <laughs> triple, euh, triple fisting, j'ai envie de dire. <laughs> Ouh, ça fait mal ça. Mais tout ça n'est que cosmétique, donc du coup. Du coup, j'ai envie de dire, il y en a qui critiquent les DLC, mais finalement, c'est des DLC purement <laughs> cosmétiques. Donc, ils font pas... C'est pas du pay-to-win, parce que du coup, le fait d'avoir telle oui, oui, ou telle non, animation, tel oui. ou tel avatar, ça, pas ça a jeu. pas changé ta, ta performance mmh. de jeu, ça a pas changé ce que peut faire ton perso, et, et ça, c'est bien. C'est du pay, et pay to voilà. frame même, si, même si, bon, effectivement... Voilà, c'est du pay to free, c'est exactement ça. C'est juste <laughs> esthétique. Et voilà, et en plus, voilà, euh, comme le disait Benzaï, Benzaï, euh, qui est un YouTuber que vous connaissez sûrement, a fait un unboxing, en fait, il a acheté 50 boîtes comme ça, il les a montrées, en... il les a ou... toutes ouvertes en direct sur sa chaîne, on a vu que c'était que de la merde, voilà. Moi-même, j'en ai acheté 11, je les ai toutes ouvertes, bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu plein de trucs bien, mais <laughs> n'achetez pas ce... ces trucs, c'est du pigeonnage, et en plus, si vous achetez, vous mettez le doigt dans l'engrenage d'Overwatch. <laughs> voilà non, mais pour résumer, euh, voilà, c'est un jeu qui est super dynamique. les petites parties euh, s'enchaînent et se font vite. il y a plein de choses à découvrir. je pense que c'est, contrairement, euh, contrairement à beaucoup d'autres jeux récemment, euh, n'est-ce pas, battleborn? on va encore beaucoup parler de ce jeu. on en entend beaucoup parler. alors, battleborn, c'est la même chose, mais fait par euh, qui... tech pardon, qui sont 2 pardon, qui ont fait borderlands. Vrai qui ont fait Borderlands. J'hésitais à le dire, j'avais peur que ce soit une connerie. Tech2, donc, qui a fait Borderlands. Ils ont fait leur, euh, leur FPS multi. Ça a vraiment, euh, ça a vraiment foiré. Se planter, ils se fait. sont plantés. Du coup, ils ont baissé le jeu à 40 euros, genre trois semaines après la sortie. Donc, euh, quand ça se passe comme ça, euh, c'est comme un MMORPG qui devient gratuit. Euh, ça sent ça. pas très bon. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, moi, je... je vous dis, j'espère que... que... Je vous conseille d'essayer Overwatch ou en tout cas de regarder des petites vidéos. Faut... C'est sûr, c'est un genre... Euh... C'est un genre il faut aimer, quoi le FPS multi, c'est un genre il faut aimer. Mais euh, en tout cas, dans son genre, je trouve qu'il fait... Je ne pensais pas pouvoir dire ça, parce que pour moi, Team Fortress 2 euh, était faisait partie de mes jeux cultes que je lâchais plus. Et pour moi, aujourd'hui, euh, Overwatch a vraiment détrôné Team Fortress 2. Et je pense que j'aurai de nombreuses heures de jeu euh, là-dessus, à m'amuser à, à faire des murs de glace pour bloquer les ennemis, <laughs> ou, euh, ou à balancer des flèches sur, sur ces derniers. Voilà, c'était Overwatch, un gros test pour un, pour un gros jeu en tout cas. Euh, Peut-être un de mes jeux de l'année. Ouais, on, on en reparlera ça pour la, la fin de l'année. Euh, on verra Overwatch. En tout cas, c'est bien parti pour Blizzard, d'une nouvelle réussite. Euh, encore eux, c'est presque énervant au bout d'un moment. Allez, on va passer à un autre jeu sur lequel euh, je me suis énervé également <laughs> pour d'autres raisons les Tortues Ninja des euh, Mutants à Manhattan. C'est tout de suite. <music> Génération manga sur Radio Campus. <laughs> non, c'est toujours Game On Je vous rassure. Les Tortues Ninja, des, 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 euh, j'ai dire des Tortues à Manhattan. Oui, c'est un peu le cas, techniquement. Des mutants. Non. Des mutants euh, à Manhattan. Alors, c'est un jeu de, euh, édité par Activision et développé par les Japonais. Platinum Game, que l'on connaît pour les jeux Vanquish, Bayonetta, Mad World, Metal Gear Rising, euh, etc., etc. Édité par Activision. Je vais de ce des... pas revendre mon jeu. C'est une honte. Alors, euh, Activision fait appel à, à Platinum Games. Je crois que c'est leur troisième, quatrième jeu euh, qu'ils qui font ensemble pour des jeux de commande. C'est-à-dire qu'Activision détient des, des licences. Hein, ils avaient euh, donc, la légende de Korra qui est tirée de l'univers d'Avatar, si, de, mmh. si je des, dis pas de des conneries. Des euh, pff, et de Transformers. <laughs> et euh, Platinum Games en adapte des, des jeux vidéo qui sont destinés au grand public Voilà pour. Euh, pour remplir euh, le catalogue le catalogue des télévisions ce qui permet à Platinum Games de vivre hein, parce que sinon je pense que les pauvres ils n'auraient pas grand chose à se mettre euh, à se mettre sous la dent ah, c'est pas fox. Euh, voilà qui, par exemple ou... de Nintendo euh, voilà qui va rattraper le qui va rattraper le, le truc mais pourtant c'est un bon studio Platinum Games ouais Game. c'est ouais, un bon studio qui a fait des euh, voilà qui, euh, qui a fait des, des jeux assez assez dingues euh, notamment mais euh, euh, voilà il y a Bayonetta 1 et 2 Vanquish Mad World Metal Gear Rising euh, et, c'est à peu près tout dans les gros jeux, en tout cas. C'est pas mal, hein, attention. On ne va, va pas le reprocher, quoi que ce soit, évidemment. Alors, les Tortues Ninja, c'est le retour des, des quatre tortues. Euh, alors, le, le jeu, franchement, je ne sais même pas pourquoi il sort euh, sur les Tortues Ninja. Alors, il y a les deux films de Michael Bay, mais... Euh... Bah, y a le... T'as ninja 2 qui sort bientôt, ouais, je crois. C'est enfin, ouais, pour ça qu'ils l'ont je... fait. Ouais, ouais. enfin, ça a rien à voir avec le film. Hein. Ils reprennent vraiment l'univers euh, graphiquement, en tout cas du, du, du comics. Et on est dans un jeu dans un beat'em un peu à l'ancienne. Vous allez pouvoir contrôler les, les quatre les quatre tortues. C'est un jeu qui a une vocation assez multijoueur puisque vous pouvez incarner chacun votre tortue préférée. Si vous avez quatre amis ou, ou deux au moins déjà, chacun choisit sa tortue ouais, et il peut faut jouer. Trois amis, sinon il y en a un qui jouera pas. tu hein T'as dit si vous avez quatre amis, mais il faut trois amis pour être un total de 4. Oui, mais sinon, tu peux être juste 2 et, euh, oui, oui. et puis les, les deux autres oui. sont contrôlés par l'IA, ça que je veux dire. Eux, hein. Au moins 2 en multi et jusqu'à 4 jusqu euh, voilà. également. Quatre parce que le, le multijoueur est uniquement euh, en ligne. Alors, L'histoire, bon, il n'y en a quasiment pas, c'est très, très rapide. Hein, voilà, il y a, a Shredder et. Euh, les méchants attaquent euh, et, la ville. Et Général Grant euh, qui, voilà, qui attaque. C'est du euh, jamais vu, c'est qui, qui attaque quoi. Manhattan, voilà, voilà. Les tortues sortent de leur égout. Euh, Splinter est toujours une feignasse, il est toujours dans son truc. Il dit bon, allez, allez allez, allez combattez mes enfants. Vous êtes mes fils, mais allez vous tuer pour moi, ça serait sympa. J'ai envie d'avoir une retraite tranquille, voilà. <laughs> c'est un peu ça le dire ouais. Et on a appris l'ONIL euh, qui sert un peu à communiquer avec les tortues et à leur dire. Euh, Parce que Splinter pourrait faire ça, mais non, lui, c'est vraiment une feignasse, quoi. C'est exactement Oh, un rat, ce Splinter. <laughs> et voilà et il y a Prionil qui sert de euh, de, de, Comment on dit, de, de mission control voilà avec, euh, avec les tortues qui vous indiquent ce qui se passe à droite à droite et à gauche dans la ville et euh, dans les autres endroits que vous allez pouvoir visiter alors euh, concrètement voilà il y en a beaucoup comme toi euh, mon cher Stéphane qui a cru voir que le jeu était pourri. Alors, pour moi, un jeu oh, il pourri. Il se fait descendre. Il s'est fait démonter. Alors, pourquoi euh, bah, On a vu, moi je dis que le jeu n'est pas beau, que le jeu est nul, qu'il n'est pas intéressant, qu'il est répétitif, qu'il est machin, qu'il est machin, qu'il est machin, qu'il est machin. Bon, alors euh, concrètement, euh, je, on a joué un peu au jeu avec, euh, avec Pierre-Marie. Mmh. Euh, concrètement, on va, on va prendre étape par étape, à commencer par euh, techniquement parlant Qu'est-ce que ça donne Eh bien, euh, contrairement à ce que ces connards de Game Cult peuvent dire, euh, non, le jeu n'est le, pas bon, je... l'est. Euh, le jeu est déjà techniquement euh, tout à fait correct. Enfin, euh, mm. on, on retrouve un graphisme très euh, self shading avec un esprit comics euh, euh, pour ce qui est du pour ce qui est de l'univers. Visuellement, enfin, je peux pas dire que c'est extraordinaire, mais c'est mm. il n'y a rien qui te dit putain c'est dégueulasse. À part si on n'aime pas le style design, mais ça c'est un autre problème. Chacun ses goûts, c'est-à-dire que moi si j'aime pas le style design de Overwatch, euh, mm. euh, bah, ça n'engage que moi quoi. C'est voilà, c'est juste une question de goût. C'est après voilà c'est un jeu il est présenté exactement de la même façon sur PS3 que sur PS4 mais oui, c'est pas gênant c'est un choix comme ça je veux dire c'est les Tortues Ninja on s'attend pas à avoir du photoréalisme limite ah bah comme non. dans une charte quoi non mais je veux totalement. dire c'est enfin, pas le c'est pas le but là, là, là le but c'est d'avoir un design comics Et effectivement ça, ça suit exactement ça quoi. Ah. On, est, on, est, on, a, on a un design comics tout à fait alors en plus de ça techniquement parlant euh, le jeu il tient super la route c'est à dire qu'il faut savoir que en permanence les quatre tortues combattent hein, que, que vous Jouez que vous jouiez, pardon, tout seul ou en multijoueur, vous avez les quatre tortues qui sont, euh, qui sont présentes sur le terrain, donc chaque elles combattent chacune à leur façon. Elles ont des techniques spéciales, et en plus, il y a les ennemis qui sont parfois nombreux, parfois il n'y a que le boss qui se déchaîne contre nous, et le jeu tourne sans aucun problème. et Contrairement à ce que j'ai pu lire en ligne, il n'y a aucun problème. Le, on y a joué euh, pour, pendant plus de deux heures, il n'y avait aucun souci. Euh, J'ai pu lire toujours sur le oh. même site Gamecube, parce que c est, c est, je crois que c'est un des seuls sites français qui a. Qui a... C'est les seuls qui l'ont testé qui ont, en France. Qui, ouais, en fait, qui ouais. ont testé le, le jeu. Je ne parle pas donc, des, des sites étrangers, parce que je ne regardais pas forcément. Mais ils disaient qu'en ligne, oui, quand ça veut bien tenir, franchement, ça, c'est descendre le jeu pour rien du tout. Le jeu tient très très bien. Euh... C'est peut-être leur connexion à eux qui tient. Oui, non, mais c'est ça. Il faut arrêter <laughs> des, des connards et peut-être que vous aurez une pas. connexion euh, <laughs> qui, euh, qui soit correcte. Euh, non, franchement, y a, y a, là d'un point de vue technique, il n'y a, a absolument rien à dire. Alors, pour ce qui est du... Le jeu est un Beat'em all hein, euh, voilà, et en 3D, il hein, faut peut-être le ouais, préciser. Tu fais bien de préciser, effectivement. Euh, vous pouvez bouger les caméras tout autour de vous. Il faut quand même savoir que le jeu est super dynamique. Mmh. Alors, vous avez une touche pour sauter, faire un double saut et même faire, euh, euh, je vais dire, un peu des, euh, des, des sauts en longueur. Parce que parfois, euh, justement, vous avez des environnements qui sont un petit peu grands et du coup, vous allez euh, pouvoir vraiment euh, vous balader assez rapidement, aller d'un point à un autre. Mmh rapidement en tortue ah oui, non, parce que les plane, tortues sont à, sont à pied voilà on plane on grimpe au mur enfin, ouais voilà, on grimpe au mur euh... quand vous avez des immeubles c'est à dire enfin euh, vous avez des ennemis en haut des objectifs vous pouvez grimper vous c'est un peu comme les ninjas ils prennent appui sur le mur puis ils sautent ils sautent ils sautent donc d'un point de vue euh, prise en main il y a pas grand chose à dire vous avez une attaque faible une attaque forte que vous pouvez combiner pour faire des, des combos et vous avez un bouton pour interagir avec certains objets du décor ou certains objectifs par exemple vous avez des barils enflammés que vous allez pouvoir prendre et jeter sur vos adversaires comme dans beaucoup de de et all. euh, vous allez pouvoir il eh ben, y, y a des moments y a, dans certains objectifs vous avez des panneaux de contrôle qu'il faut désactiver donc il faut que vous approchiez à pied sur cette touche et maintenir pour faire en sorte de, de, de désamorcer Sachant ce, que les ennemis vous objet. empêcheront et c'est là que Également. toute la dimension coopérative rentre en jeu parce que Tout vos, à fait. Vos, vos alliés, s'ils ne sont pas trop tanches, devront <laughs> vous protéger des ennemis qui vous tirent dessus à ce moment là avec, euh, si vous, vous maintenez une, une des gâchettes, et que vous utilisez une des touches d'action, en fait, vous pouvez utiliser des attaques puissantes. Alors il y a des mmh, combos que vous nous, pouvez faire avec, euh, avec vos alliés euh, et vous avez d'autres attaques spéciales que vous pouvez, euh, au préalable, avec le menu de préparation, que vous pouvez euh, mettre à vos, à vos tortues. Donc il y a 4 techniques. Au début, les, les tortues en fait, ont chacun leur propre technique. Après, il y en a certaines qui deviennent communes. Ces, ces techniques-là, en plus, vous pouvez les faire évoluer, comme dans pas mal de, de bisémoles, pour qu'elles soient plus puissantes, plus, rava plus ravageuses. Euh, vous avez aussi un système pour envoyer des attaques à distance. Alors c'est pas des attaques très fortes, donc euh, ça sert pas à grand chose. Mais parfois il y a des, des ennemis que quand vous les quand vous les touchez, en fait, ils explosent tout de suite à votre gueule. Donc c'est vrai que envoyer un petit kunai dans la, dans la tronche, ça peut être pas mal. Euh, vous, vous pouvez faire vous, des attaques furtives. Si vous êtes derrière oui, un ennemi, vous pouvez le one shot si vous voit, repère pas. Si l'ennemi le, si voilà vous vous voit pas, effectivement, vous pouvez arriver par derrière et faire une attaque de ninja et, <laughs> euh, et tuer le et tuer l'adversaire sans, sans avoir à vraiment combattre contre contre lui. Euh, et et vous avez aussi une technique d'esquive. Alors, c'est ça que j'ai commencé un petit peu à gueuler. C'est que sur ce site de merde de GameCube, ils disent euh, dans, on les peut, euh, voilà, dans les points négatifs, euh, les esquives, euh, on ne peut pas en abuser. Ah, bah, excusez-nous de jouer à un jeu de gamer, hein, euh, personnellement. Hein, si vous voulez jouer à un jeu de trous de, trou de balles, euh, bah, vous jouez à Dora, l'exploratrice, et voilà. Hein. Concrètement, euh, voilà. En fait, si vous voulez l'esquive, le, en fait, quand vous esquivez plusieurs fois, en fait, vous, vous avez une petite jauge qui baisse euh, rapidement. Et en fait, si vous voulez, quand vous esquivez, je crois que c'est trois quatre fois, en fait, euh, bah, à force de tourner, votre tortue, en fait, elle est un petit peu dans le vague, mais pendant mais peut-être 2 secondes, C'est en plus, c'est très très court. Il faut juste attendre que ça que ça sa jauge revienne, et après vous pouvez de nouveau, euh, de nouveau esquiver. Je vois pas en quoi c'est un défaut. Euh, je trouve que plutôt ça met un peu de piment au, au gameplay, comme si ça vous évite pas être tout le temps en train d'esquiver, voilà. parce qu'on ne peut pas abuser des esquives en sachant que vous pouvez aussi esquiver. Vous savez en sautant, oui. euh, tout ça. Enfin, il y a des techniques euh, et tout. Mais c'est vrai que pour le coup, il n'y a, a rien de honteux à ce que votre tortue ait un petit peu euh, l'air un oui. peu étourdi, que vous esquivez de trop. Surtout que j'avais dé... on... dit à Nico, et on a déjà vu ça dans un autre jeu. On n'arrive pas à retrouver lequel, mais je sais qu'on a, j'ai déjà vu ça dans un autre jeu. Et ça ne ben pas. Voilà, c'est pas un problème, c'est pas un défaut. Ça fait partie du, du jeu. C'est pas. C'est vraiment pas un souci. Non, mais d'autant plus que les esquives. Si on esquive pile au bon timing. On fait, on fait une contre-attaque directe super puissante oui. sur l'ennemi. Donc, du coup, s'il n'y avait, avait pas cette limite à esquive, on pourrait faire que esquiver en continu et faire que des coups comme ça. Donc, euh, voilà, c est c est, ça fait partie de l'équilibre du jeu et je trouve pas ça gênant. Quoi. On, t, on te l'indique au début, en plus, il y a un tutoriel qui est très bien fait mmh. pour t'apprendre toutes les actions au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, moi, moi je n'ai pas trouvé que, que c'était gênant. Alors, oui. c'est pas, pas gênant du tout. Alors Il faut savoir qu'il y a quand même une chose qui est assez rigolote qui n'a pas été marquée euh, non, non, sur, sur le test. C'est que quand vous jouez en multijoueur. Euh, en ligne, euh, en local, ça n'a pas, euh, ça n'a pas vraiment le même, euh, le, le, le même fun, euh, le même impact. C'est qu'en fait, quand vous, comment dire, quand votre tortue en fait, elle a pu ses parts de pizza qui représentent ses points de vie. Euh, en fait, vous, soit, en fait, votre tortue enfin, euh, se rentre dans sa carapace et pendant quelques secondes, en fait, elle reste sur le terrain et vous pouvez être réanimé par un autre, un autre joueur, ce qui donne le côté coopératif. Mais si vous mettez trop de, si, euh, si euh, personne vient vous sauver ou si vous, vous pouvez le décider vous-même, vous pouvez aller en fait dans le repère des tortues et en fait vous avez une montagne de pizzas qu'il faut très très vite euh, manger en, en tapotant le, la touche croix euh, rapidement en fait pour regagner votre vie, pour revenir sur le terrain de, de combat. C'est notamment contre les boss. Et en fait si vous voulez, grosso modo il n'y a pas de game over dans le jeu, sauf si les quatre tortues se retrouvent dans le repère en train de bouffer des pizzas en même moment de toute façon, tout Là c'est voilà, le, le game over rassuré. C'est vrai que ça nous est arrivé hier, mais c'est une dimension qui est assez rigolote parce que si on mange trop de de pizza d'un coup en fait on se brûle la langue et du coup on remonte pas tout de suite tout de suite donc euh, faut attendre quelques petites secondes alors qu'on est en plein dans le combat donc il y a une petite dimension où on dit mais merde je peux aller bouffer c'est très rigolo quand on se retrouve avec un de ses potes en train de bouffer des pizzas c'est franchement c'est des petits moments fun qui sont vraiment sympas en plus les boss les boss généralement ont 7 barres de vie et ouais. forcément plus leur vie est basse plus ils deviennent balèzes avec des coups euh, des attaques euh, compliquées et tout ça donc du coup finalement les combats de boss, de boss se transforment en un vrai marathon où le but ça va être de tenir le le plus possible. Si fait. on se fait éliminer, d'essayer de revenir dans l'action le plus vite possible et, et voilà. Il et... y, y a de vraies petites interactions que, qui sont vraiment, qui vont, qui sont vraiment sympas. Il euh, faut savoir aussi que le jeu, voilà, il est, euh, il est, euh, il, il est, il est simple sans être euh, trop simple en fait. C'est qu'il qui a une difficulté qui est pas trop mal dosée. J'ai lu toujours sur ce site de merde que, euh, que y avait, c'est marqué, il y a trop d'ennemis insensibles aux coups. Il faut entendre par là qu'il y a des ennemis en fait qui vont parer vos coups. Tout simplement, parce que je n'ai pas vu d'ennemis qui ressentaient rien quand vous les tapez. Il hein. euh, y a juste des ennemis qui, par votre, euh, votre coup, il mmh. y a des ennemis, vous savez, qui sont très, très robustes et qui, du coup, en fait, vous savez, quand vous les tapez, leurs coups ne leur font rien oui. parce que c'est des, des monstres, en fait. Ils Donc, ont ils continuent, de vie, Voilà, ils continuent d'avancer. Parfois, ils vont être un peu... Euh, ils vont quand même être déstabilisés, tout ça. Mais je ne vois pas en quoi c'est un putain de défaut. C'est au contraire. C'est euh, Voilà, c'est un... Enfin, soit on joue à un jeu, soit on n'y joue pas. quoi Si vous voulez un jeu qui, qui soit super simple, euh, enfin, je ne sais pas, mais je ne pas à celui-là. C'est juste qu'il y a des ennemis qui vous résistent. Ah, bon, quelle nouveauté dans un il dit donc les enfants. Ça, c jamais vu jamais vu ça de ma vie. Bon. C'est un reproche qui est totalement débile, euh, comme ceux, comme les autres que j'ai que j'ai pu voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Vous avez aussi des objets qui, que vous pouvez équiper à vos à vos tortues. Alors vous avez euh, vous avez des armes, vous avez aussi des parts de pizza pour remonter votre vie en plein combat ou faire partager à vos euh, à vos coéquipiers. Il faut savoir que vous pouvez aussi leur équiper ce qu'on appelle des charmes. Et en fait, si vous voulez, ces trucs que vous récupérez euh, dans les dans les niveaux. Et en fait, ces charmes, en fait, souvent vous sectionnez celles que vous voulez. et En fait, ça peut augmenter votre force, euh, votre vitalité, ça peut augmenter aussi la, le, la chance d'avoir euh, quand vous tuez les ennemis qui vous lâchent des objets euh, intéressants, voilà. tout ce genre de choses ouais. que vous équipez à, vos, à, votre, à votre tortue favorite pour qu'elle soit justement plus forte ou euh, voilà qui est... Euh toutes ces choses-là que, euh, que vous pouvez obtenir dans le jeu. Donc, plus on joue, voilà, plus on débloque des choses comme ça, des Tout points de compétence oui. qui permettent de, de choisir, de déverrouiller ou d'augmenter les techniques existantes. Exact. Donc, on peut complètement personnaliser sa tortue, sachant que, par contre, les charmes ne peuvent être éthiqués, équipés, donc il y a une tortue à la fois. Mais ce n'est pas bien gênant. Si on joue en multi avec une autre tortue, on peut, on peut les récupérer. Donc, c'est gérable. Alors, il y a des moments où oui, le jeu va se répéter, parce que ça, ça reste un, un, un beat'em all euh, ce qui, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a quand même des, euh, des objectifs qui, qui viennent assez rapidement euh, se renouveler dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ah, il y a des ninjas qui sont en train de braquer une banque. Alors vous les voyez avec un gros morceau de, de, de enfin, plein de lingots. Donc euh, les lingots, il faut les récupérer. Alors ils sont lourds. Alors il faut protéger la tortue qui les emmène d'autre bout. Vous avez des espèces de. Euh, à un moment donné, vous êtes dans une phase qui est presque infiltration dans les égouts. Vous avez des, euh, des, des bestioles, des robots qui se baladent. Et si elles vous repèrent, il bah, y a plein d'ennemis qui vous tombent dessus. Donc il faut être vigilant et voir si elles vous repèrent pas. Donc il y, y a toutes sortes de, de, petits, de petits trucs comme ça. Alors oui, parfois ça va un petit peu se répéter. Ça c'est clair, je, je vais pas dire le, on ne va pas dire le contraire. Les boss sont alors certains qui sont vraiment chauds chaud à tuer, qui sont longs, euh, d'autres qui sont un tout petit peu plus euh, tout, un petit peu plus simples. Sinon oui, le jeu est court. Voilà, ça c'est clair qu'il faut compter 4 heures de jeu pour le, pour le terminer. Alors c'est bien de le dire. Ça c'est clair que le jeu est et trop court, surtout que en fait, si vous voulez, euh, ça serait moins gênant si le jeu était vendu moins cher. Voilà, le jeu coûte 40 ou 50 euros, ça que s'il coûtait euh, 25-30 euros, déjà ça serait quand même beaucoup plus acceptable. Ça, c'est un vrai défaut. Le rapport qualité prix est un vrai défaut point, du jeu. Défaut du jeu. Oui. Ça et le fait qu'il n'y ait pas de, de coopération en local, Il faut jouer uniquement oui. en ligne pour, pour ça et il y a que la cop locale qui manque ça c'est vraiment dommage ça c'est clair que pour le coup je peux pas dire l'inverse c'est euh, pour, pour moi c'est vraiment, vraiment un défaut pour le pour le coup euh, mais ce qu'on reproche aux tortues ninja il faut le reprocher à d'autres jeux. Euh, je veux dire, Platinum Games, c'est pas la première fois qu'ils nous font des jeux très courts. Mad World était horriblement court. Vanquish également. Les Transformers également. À un moment donné, il faut le dire, ils font des jeux qui sont pas très longs. C'est comme ça. Il faut pas oublier que c'est un jeu de commande. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne. cest veux dire oui. ils sont dépendants d'Activision pour ça. Et je vois pas en quoi on peut être déçu des Tortues Ninja. On peut pas s'attendre à un jeu exceptionnel quand le jeu a été annoncé il y a six mois et qui sort que maintenant. Non mais c'est vrai. C'est, je veux dire, l'année dernière ils ont fait les Transformers. Cette année ils font le, les Tortues Ninja. C'est un jeu de commandes. Ce n'était pas un gros budget. Putain, ça se voit un bordel de merde. Non mais c'est vrai. et moi, ce que je retiens quand même, c'est que le jeu, il est super fun. En fait, à plusieurs, c'est un beat'em Un peu comme à l'ancienne, vous savez, les beat'em un peu la Street of Rage, euh, ou même les Tortues Ninja, euh, Turtle in Time. C'est un beat'em qui, qui est dynamique, qui est fun, qui est drôle parce qu'il y a des voix françaises, les tortues, les tortues elles aiment bien blaguer entre elles. On retrouve bien l'esprit des Tortues Ninja en plus de ça. Le chara-design, je trouve qu'il est, euh, qu est vraiment très, très correct, à part Donatello qui a l'air très malade. <laughs> Mais voilà, concrètement, je ne vois pas ce qu'il y a. Le jeu est super fun. Je ne comprends pas. Alors après, oui, c'est un jeu moyen. C'est pas un jeu excellent, mais c'est pas un jeu pourri. C'est à aucun moment le jeu est pourri, est taché et est injouable et quoi que ce soit. C'est un jeu qui, qui est super sympa, surtout qu'on y joue à plusieurs. Voilà, en fait, ce jeu des défauts, il en a. On les bien, a sûr, dit. Est, on est bien sûr, c'est un peu répétitif et il y a peu de contenu par rapport au prix, peut-être. Mais derrière, on a, on a l'impression qu'on a cherché à lui trouver tout un tas de défauts parce qu'il fallait absolument le descendre en flèche. Oui. Ça, voilà, ça sert nous, à rien à moment, du tout. On n'est on est pas d'accord. Moi, le, le seul autre reproche que je ferais, euh, vrai reproche et qu'on n'a pas dit, c'est sur l'intelligence artificielle. Des fois, elle est quand même un peu à la masse. Genre, justement, il <laughs> y a une mission d'infiltration, il ne faut surtout pas se faire voir par les ennemis. Il <laughs> y a, a l'intelligence artificielle qui fonce vers cet ennemi bien en face hein. <laughs> et voilà on a fait aussi un combat de boss avec un perso qui était complètement paumé dans, dans, une dans un autre étage de l'écran et qui n'a pas participé au combat bon au moins il est pas mort donc du coup on avait euh, la vie infinie pour ce combat vu qu'on ouais. pouvait pas être euh, tout ce chaos mais voilà mais outre ça où effectivement l'intelligence artificielle n'est pas, ter pas terrible ça se sent que le jeu est pensé pour le multi oui, c'est un jeu qui cherche c'est à... moins intéressant en solo c'est ouais. moins drôle ouais. et ça cherche que... sa durée de vie dans la rejouabilité le jeu vous propose en fait de rejouer de rejouer même niveau. Sachant que les, les objectifs sont aléatoires, j'en ai vu plusieurs. Oui, c'est vrai, commune. en plus, ouais, on a pas les, dit ça. les objectifs ça, sont Ça, c'est intéressant aléatoires. aussi. On a, on a trois objectifs généralement et un combat de boss, mais les trois objectifs vont être décidés aléatoirement. Et l'idée du jeu, c'est de, 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 de débloquer plein de points de compétences, de faire un peu évoluer euh, ces tortues et d'avancer comme ça, quitte à monter le niveau de difficulté au fur et à mesure. C'est là-dessus. Mais c'est beaucoup de. En, encore une fois, euh, on compare à un beat-em-up comme Turtle in, in Time. Je pense qu'au niveau de, de la durée de vie, ça se voit non mais voilà, attendez, le, 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 apparemment le meilleur jeu Tortue Ninja, c'est Tortue in Time. Je veux dire, le, le jeu était pas original par, pour l'époque. Je suis désolé. Je sais que Nico, tu l'adores, mais quand tu, quand tu jouais à Street of Rage, Golden Axe, Double Dragon, qui est arrivé bien oui. avant, Tortue Ninja, c'est juste hein, une repousse. Les... juste, ils ont juste pompé sur, euh, sur ce style original, de jeu. Il n'était pas original, mais il était bien fait. Non, mais il, il était bien fait. C'était pas non plus un jeu de fou, hein, même pour l'époque. Euh, il voilà, va quand même se calmer. Euh, c'est un jeu qui est resté non. quand même moyen. Euh, voilà. Euh, là concrètement, moi je dis plein de choses. Euh, non, franchement, les, toute la dose. De jeux Tortue Ninja, parce que sur 20 jeux Tortue Ninja, il y en a 19 qui sont pourris à chier, il faut quand même dire ce qu'il y Celui-ci ne fait pas partie du lot, et ça, je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Il ne fait pas partie des jeux pourris il fait partie des meilleures adaptations de Tortue Ninja, des plus fun, des plus rigolotes. Ça sert à rien de le casser et surtout arrêtez de lire ces putains de tests de merde. Faites-vous votre propre avis sur les jeux. Point final. Oui, écoutez Nitron. Peut-être que, peut que es le seul à les lire. <laughs> non mais voilà, non mais écoutez, voilà, écoutez, juste Game Nitron. Voilà, si vous avez, si vous aimez pas les jeux vidéo, et eh ben effectivement, ne l'achetez pas. Si vous voulez avoir du, du fun, moi franchement, moi quand on parle de jeux pourris, on peut en citer plein hein, des, des jeux qui sont vraiment à la ramasse. Lui, il a il a, il a absolument pas à la ramasse. Bien sûr qu'il y a des défauts. C'est un jeu moyen. Si vous êtes pas sûr, si vous avez quand même des potes avec qui jouer, qui soit, euh, qu soit moins cher, ça, ça c'est clair, je ne dirais pas. Mais franchement, si vous aimez Tortu Ninja, parce que nous, on, voilà ça a baigné dans notre enfance, eh ben, franchement vous pouvez y aller, c'est un jeu super fun super drôle, vraiment super drôle et je pense que vous avez moyen de vous éclater entre potes. Voilà pour les Tortues Ninja des tortues à Manhattan et j'emmerde emmerde vraiment Gamekult qui écrit de plus en plus de la merde dans leurs tests c'est notamment le cas pour euh, le, la blague qu'on fait depuis tout à l'heure, le trompe l'œil voilà, quand on dit que Uncharted 4 dans les points négatifs a une ouverture en trompe l'œil voilà, si vous savez ce que ça veut dire pas nous, voilà, merci Gamekult de parler français voilà c'est tout ce que je voulais dire. Le mot de la fin, ce sera Kowabunja. Exactement. Le mot de la fin, c'est Nico qui, qui a trouvé ben, un thème des Tortues ouais, c'est le thème du premier niveau de, de Turtle in Time. Voilà, de l'époque de, de la Super NES. Merci à tous de nous avoir suivis. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Je suis en vacances, donc il n'y aura pas d'émission. On se retrouvera la semaine d'après. Ça sera l'émission du 15 juin. Et ça sera la première émission E3. On débriefera ouais. la conférence Microsoft et puis tout ce qui s'en est dit. et Il y aura aussi le test de Guilty Gear Xrd Revelator. Donc pas d'émission la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà. donc. Merci à tous de nous être fidèles et passez une très bonne soirée, une très bonne semaine. Merci Nico, merci PM. À dans deux semaines. Ciao, bye bye. Ciao. Salut.